Ah ouais, du coup, tu peux pas pré-shot et tu peux pas. En gros, le Sova, c'est mandatory pour la map. Ok. C'est qui Sova? C'est laquelle? C'est celui qui lance son. C'est l'archer. C'est Skyar. C'est l'archer qui lance. Ah ouais, la flèche et tout, ouais. C'est les flèches, t'as les flèches invisibles, t'as les flèches qui rebondissent et t'as aussi la caméra, tu sais, tu pilotes. Il joue deadlock parce que t'as des. Genre la, le tube. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais vu plusieurs fois. Le tube, tu le lock avec le lancer là, le mur. Et en fait, bah, personne peut passer dans le tube. Ouais, ça un peu comme fait Sage. L'avantage de Sage, c'est que ça te permet de planter le spike en fait, ouais, assez facilement sur certaines zones. Alors que le mur de deadlock, tu peux tirer à travers, donc c'est moins pratique pour ça. Non, tu peux pas tirer à travers. Ah si. Ah, oui. Ah, oui. Et on me dit à travers. Oui. Okay. Tu peux pas passer, tu peux tirer à travers. Ok. On va voir comment ils vont l'utiliser. Ok. Et on me dit qu'on mais a du une coup, pause si de 20 joue minutes. Ça veut dire quand même que, entre guillemets, s'ils jouent pas une compo standard connue depuis des années sur cette map, c'est qu'à mon avis, ils sont quand même un peu préparés, quoi. Oui. Ils sortent deadlock, ça veut dire que. Ils ont pas. Bah après, ce qui est chiant, c'est que. Ils l'ont préparé un minimum. Ce qui est chiant, c'est que map 1, Kalik, il a joué son vieux gecko et là, il joue sa deadlock, tu vois. Ouais, c'est deux persos de cons et deux fois sur le même. En plus, il en fout confiance que la map d'avant, bah, il a. Lui, c'est un peu considéré comme leur meilleur joueur, non? Ouais, c'est ex-Fanatic. C'était le sixième joueur des Fanatic. Il a joué en Nofi, en VCT et tout. Bah, tous les matchs qu'il a joué, il a gagné, je crois. Il avait remplacé quand il avait une blessure, je crois. Il y avait un joueur qui avait une tendinite ou un bail comme ça, il me semble. À un moment. Ah, c'est possible. Je sais plus, il me semble. Allez. Okay. On est les rouges. On est les rouges, c'est ça. Ok. Allez. Et là, on est encore en attaque. On go à 5, quoi. On est en attaque, là. Ouais, on est en attaque. Ok. Ouais. Là, il n'y a personne en défense. C'est eux qui ont choisi la défense, du coup, ça veut dire. Ah, si, choisi la map. Nous, on a choisi le side. Oh là, notre arrow, je crois. Allez, on l'a pas vu avec l'angle. Je sais pas si elle était ratée ou si elle était bien. Je sais plus. Allez. Si elle était assez one-sided cette map. Pour le coup, celle-là est assez équilibrée, je trouve. Ah ouais, okay. Moi j'ai en tête les comebacks. Ouais, des gros comebacks. Justement, comeback, ça veut dire que c'est one-sided. Ouais, c'est pour ça qu'on utilise le Wall ouais, de Sage. Voilà, ah ouais, là on plante. Wall de Sage, on plante derrière. Okay. Et là, bah, c'est du 5v5, on se tire dessus. Voilà. Là, c'est de la rame là. C'est marrant, ouais, c'est un peu ça. Sur la sauf la rame, sauf que ils ont des. Ils ont des lance-roquettes. Aïe! A tué personne. Ça va. Ça va, mais contre, ça va. Oh là. Il a raté. Il a raté, mais ça va encore. Ok. C'est vite. Ok. Bonjour la peau. Allez, on rentre bien dans la map. Allez. Là, s'il vous plaît, pitié. Oh, abuse. Ok, let's go. C'est bloqué le combat. Voilà, ça arrive. C'est bloqué. Ça arrive. Zéro, même celle qui a mis une balle, l'équipe. Restons humble, Qatar. C'est ça, on a perdu la main. On se prend une russe. Eh, il est trop nul. Non, mais on peut rester humble, mais on peut dire qu'il a été nul à chier, quoi. Oui. On peut le dire. On peut le dire, mais bon. On peut le dire que je suis meilleur, mais. Non, ça on peut pas le dire. On va pas te dire non plus. Ah, mais il a pas de micro, Qatar. Le pauvre, il se prend des hagrets, il peut pas se défendre. Allez, 1-0. Quoi ? Ok. Là, on est sur un petit. On a donné le micro, là. On prenait un ban. Il est fou, ce mec. On a bail. Il me déteste, Qatar. Ok, petit. Je connais pas les line-up par contre sur la map. Je sais pas si tu connais toi, Diz. Mais... Je sais pas, c'est la celle-là, je la connaissais pas, mais elle est belle. Oh. Hop là. Sur le yellow. En plus, ça okay, pour vous, c'est big. Parce qu'en fait, le yellow, c'est. Oh, wow. C'est vire. Oh. Directement sur Mikey. Ouais, comme ça, il peut pas. Voilà. Ok. Vas-y. Nous, en plus, on allait avec des big guns hein, là, sur celle-là. Ils sont tous en B, hein, faut y aller tranquille. Là, on a sorti le big gun Graves. On va se presser. Ok, nice. Et 2-2. Ok, le M. Nice. Et 2-3. Ok, King Guyet. Oh, on recule. Ok. Il a son arme tranquille. Ouais, il a ult. Ce serait dommage. Non. C'est son couteau. Ah ouais? Ton skin de couteau. Oh, the fuck. C'est quoi ces. De toute façon, un ult deuxième round, ça me paraît très bizarre. De toute façon, là, il se fait heal. Tranquille. Et tu vois ce que je disais? La map, c'est que des bus. Ouais, c'est bien, moi j'aime bien les bus. Nous, ça nous va. Hein. Bah là, on a fait un slow bus hein, pour le coup. Ouais, mais ça reste un bus. Un bus qui soit à 90 ou à 30, ça reste un bus. Tu vois. Là, on va avancer à 5, on va planter, puis après on attend. Eux, en plus, on les a bait. Parce que là, on était très smart. On a tempo. On a attendu. Ouais. Ils se sont dit, oh, ils ont rotate, blablabla. On a peut-être fait même du bruit. Et là, on est dans leur cerveau. Là, on est dans leur cerveau. Après, là, ils savent. Hop, petit mur. Non, ils savent toujours pas. Si, ils entendent, le mec là, il a entendu. Là, ils savent. Non, oui. En fait, dès lors qu'il a entendu le stuff de Viper, ça nous mettrait. Attention. Ah non, il y a le yellow. On sait qu'il peut arriver que par là, de toute façon. Et là. Le on attend, Il y a 8 mecs qui vont il va faire l'erreur. Hein. Ah, voilà, il est cuit évidemment. 5-0, magnifique. Parfait. C'est parfait. Allez, ça part de là pour l'instant. Ça fait du bien, on gagne le GR, on joue propre pour le rang. On applique bien la strat, on joue bien avec la sage, on touche bien avec le. Dès que vous les flex, le gun round. On gagne le GR. On gagne le GR. On touche un peu là. Il y a un truc normalement à chaque fin de round, dans le chat, faut dire NT. Si on. Ouais, NT. Mais là, on va pas. Sinon, c'est des well play quoi.
Non, bon, là, c'est le round. Là, si on gagne, gagner, là. Si on gagne, on les snowball. C'est ça. Allez. Là, on a un bon achat. On a une bulldog, une vandale, une fantôme. Bah, surtout qu'on n'a pas perdu tout à l'heure, donc On a quand même les thunes derrière pour acheter. C'est pas. C'est parce que justement, on a fait des aces quasiment. Attends, mais pourquoi il est au flingue, Jean-Raymond, là? Jean-Raymond Hydex, hein. Il garde son économie pour acheter prochain round. Ah, peut-être prendre un autre bonus. Il va prendre un snipe ? Non, pas forcément. Ok, ok. Il y a peut-être buy pour quelqu'un. Ok, Apo, bam, ça line up. Oh. Ah, c'est pour dézoner le yellow. Très bien joué ça. Okay. Oui, il a pris l'info. En gros, la whistle s'appelle yellow. Si on le dit plusieurs fois, parce que le conteneur il est. C'est jaune. Jaune, voilà. Plus simple que ça. Allez, 53, on est bien là, on est posé. Tu vois ? Ah oui, ouais, c'est MZ qui a tué quelqu'un en lurking. J'ai kill GM, j'ai pas eu, mais c'est pas grave, c'est fine, ça nous va. Ok, par contre, ça peut être le moment chiant, faut pas être rush. Faut pas. Ok, on est dedans, Ok, allez. Bah, allez, on a le wall, ils ont rien faire. On est. Prendre l'info avec sa flèche. On prend sa flèche direct. Non, on l'a pas eu direct, il a repéré deux personnes. On a le wall de Sévir qui fait tout cover. Non, mais. C'est un fait de méga wall. Ce qui me fume, c'est propre ce qu'on fait là, c'est très structuré. Prend notre temps. J'ai l'impression qu'on fait tout le temps la même chose, mais ça marche. Ouais, donc, c'est joke, que ce soit Stello là ou Mondello qui est plus faible, c'est genre pareil. Tu le même setup, tu mets ton wall et après t'es en mode allez, venez maintenant. Et c'est ça tout le temps et tu joues que comme ça de la map. Genre le M, hein. Le M qui est en full lurking. Hein. Ah, en plus, on a une info. On a vu un. Ok. Il a vu dans le conteneur là. Le tube. Donc on va savoir qu'ils seront vers le mid, sans doute. Je pense, là. Le M va faire tout le tour pour les catch peut-être du A. Ils vont rien. On va les chercher là. Ouais, on va les chercher parce que nous, on a assez d'écho et eux, s'ils tombent, c'est un désastre. Ah. La même set. Pas mal d'en choper un. Hein. La même set, c'est très bien. Oui. Non, dommage. Après, on sait où il est. Oh, il a une position. Oh, il a une position de fou, lui. Ah, t'as un trou maintenant. Ouais, ça c'est nouveau. Ok. Il y a un trou dans le tube. Il y a une fenêtre. Ils abusent des patchs, bref. Petit lag, petit lag. Ouais. Ça lag un peu, mais c'est pas grave. Troisième round de prix, c'est bien. Dommage, on a pas réussi à leur faire tomber les deux armes. Parce que ça, c'est ça a vraiment fait la diff. Petit lag, c'est YouTube, les amis, ça va revenir. Vous inquiétez pas. Ça vient pas de nous. Vous inquiétez pas, ouais. On sait jamais pour le prochain round, donc voilà, il faut respecter. Peut-être essayer de faire pause play au cas où, mais... Ouais. Et comme et je vous avais dit, la map c'est bus on CD. Du coup, on a gagné notre bonus. Ce qui est excellent. C'est ce qui est très, vraiment, très vraiment très excellent. Sans hein. perdre trop d'armes. Sur la fin, on en perd deux. On a perdu trois. On a perdu trois au global. T'es sûr ? Trois ? Ouais. Bah, même sept au début tout seul. Et après deux, Camille qui l'ont tué. Ah ouais ? Ok. Oh, time out. Allez, on revient dans 20 minutes, les gens. A tout de suite. Il me semble qu'ils l'ont tué, mais je suis pas sûr. Petite minute. Là, coach Tepou, tu dis quoi ? Time out. Franchement, moi, l'équipe là, faut continuer à jouer clean comme ça. Vous posez les line-up, les stuff. Alors, ouais, même set, tu te mets là derrière le container en B, et puis tu bombardes, t'envoies ton ulti, et puis après, c'est Kingen qui ouvre okay, les frags. Ok, c'est bon, c'est dégueulasse. À toi, Diz, t'es coach de l'équipe. Là, ça redémarre. Là, ça redémarre. Ouais, mais tu l'auras pas sur ce prank là. Allez. Putain. Prochain, par contre, ça sera 10 ans. Ça sera coach 10 ans. 10, ouais. Coach 10 en in-house qui doit coacher. Tu sais qu'il y a un mec qui a demandé c'est qui ce coach, je connais pas le CD. Ça se trouve, il pense premier degré que je suis coach de l'équipe et que je suis là en cast et il va se dire putain, mais. Non, je sais qui c'est. Oh mon dieu, le gros. T'inquiète, je pense que tu l'as fait à personne. Ouais, ah, dommage. Ok. Attention. Ouh, est-ce qu'on a. Oula, touche contact là. Attention, Jazz là. Allez. J'ai le drone, Puissance en burger. Ok, on a le drone. C'est. Ouais. Oh. Ah, c'est ouais. C'est pas fait mal ça. Là. Nice. Ok, okay, okay. On sait qu'il y en a un deuxième. On sait qu'il y en a un deuxième. On va se donner sur shotgun là. Oh, le DHP. Nice. Adex qui l'empoisonne. Et oui. Et là, on. Mais du coup, Robic a pu récupérer une action. Oh là là. C'est beau ça. Sage, ouais, pour ramener la vie. Tu sais que les Sage, même en fin de run, c'est trop bien parce que ça te permet de. Tu gagnes de l'argent en fait. Ouais. Parce que les mecs, tu les fais revive, ils récupèrent une arme. C'est qui vaut 2900 si le mec a une arme en vrai. Donc c'est pas mal. C'est assez énorme. Ouais, plus c'est un OP. Mais... Je trouve ça tellement. Et là, on fait quoi ? On plante. Et là, on va 5-5. Tranquille sur le parti. La même line. Mais en vrai, eux, ils pourront pas faire exactement la même chose en attaque parce qu'ils ont pas la Sage. Bah, c'est pour ça que le pick deadlock me surprenait. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, mais ils ont peut-être une autre flexibilité ailleurs. Mais tu vois. Du coup, ouais, peut-être que peut-être sur. Ils vont jouer différemment. Ouais. Ils vont jouer. Là, c'est quoi ? C'est B ou A ? Bah, peut-être que sur A, ils ont le même setup, mais avec deadlock. Attention, après, oui, ça va. Oui. Ok. Oui, oui. Oh, magic. Non. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Ah donc le gars il a pas la vision mais il met des têtes. Oui, ah, tiens, attends, c'est quoi ce truc ? Il y a totalement un hasard, il met des têtes. Il a tué deux mecs sous smoke.
Non mais l'autre il était legit, c'était le mec sous smoke. Par contre le deuxième je sais pas comment il fait. Ouais. En vrai c'est pas grave, on a les golds, on a ce qu'il faut, mais bon quand même. En vrai on s'est pris quelques petites dingues dans ce round. Ouais mais le bus est plus fort malheureusement. La technique du bus pour l'instant ça paye les gars. Et oui. 4-0 sur 7 map numéro 2. Il voyait des balles, il a tiré au hasard. Le deuxième c'est honteux. Putain. Il y a un pingouin. Ouais, il y a des petits pingouins un peu partout. Toi t'aimes bien les pingouins, Narcus. J'aime bien les pingouins. Pourquoi, j'ai une question, pourquoi Gluto au début il parlait que de pingouins? Parce que c'était les NA, il disait que les Européens c'était des pingouins parce qu'ils n'avaient pas joué à Smash. Ok, parce que j'ai regardé là, son annonce et genre ses 20 premiers mots, 10 et il parle de pingouins gros. J'étais là, c'est normal, parce qu'on se faisait full flame par les NA. Ok, ok. On a évité l'ulti de Sova. Ça c'est ouais, très big. Ça c'est bien ça. C'est très très big. L'ulti Sova qui en gros, t'as 3 flèches qui tirent à travers les murs, ça met du 80. Ouais. Et quand t'es touché, tu vois le mec qui est traqué en fait. J'ai la pendant quelques secondes. On attaque différemment. On attaque ailleurs. Change. On attaque ailleurs. Ouais, on va avoir l'info. Mais on attaque comment? En plus. Ouais, ça. Et là, on ouais, mais là, il y a tout le monde qui décale. Faut aller vite, quoi. Ouais. Et c'est le problème, c'est est-ce qu'on peut aller vite? Alors, ça, ce duel va être important. Ok, nice, okay un point. Un point, c'est good. Ouais, ça arrive. Ça va. Qui va dézoner l'endroit de plante. Ouais, c'est ça le problème. Il faudrait presque. Non, on est. Je pense qu'on est trop engagé. En fait, on a déjà mis. On a déjà tout mis. Voilà. On a pas. Donne leur info. On ah, la bombe, on l'avait pas. Oh là, attends, on a pris quelques balles là. Non, mais les gars, je ne comprends pas ce qu'on fait là. T'inquiète, c'est une nouvelle stratégie. Bah après, 40 secondes, on va pas traîner sur le. Attends, parce qu'on les paye, c'est. J'ai. Il est que s'il reste tout seul. Ah, mais là, parce que là, ils ont deux bonnes positions. Ils ont deux très bonnes positions. Aïe. 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 Et Kamik et Jazz qui nous ont fait mal là, faut qu'il revenge. Jazz. Le 1v3, les gars, ça va être dur. C'est viré évidemment. Moi, j'ai tombé sur les balles de Mikey. J'ai une tech sur Valorant, c'est. Tant que ça marche, on continue. Ouais, je pense aussi. Je pense que l'autre était bien. Hein. Voilà, pour continuer. Voilà, le problème, c'est que là, on les a remis un petit peu. Après, ça casse la loose streak entre guillemets. Si on gagne le round, on gagne celui d'après. Arrière, ils ont plus l'écho. Ouais, ouais. Donc il faut jouer là-dessus. Mais là, j'avoue que sur cette ligne-là, ils nous ont vraiment, vraiment déchiré. Ils ont une très bonne réaction en fait. Ils ont été direct. Eux, ils ont rotate direct. Ils ont très bien. Il y a Mikey qui a dézoné, donc on n'a pas pu plante. Et du coup, on était un peu perdu dans le sens qu'est-ce qu'on fait. Et surtout, c'était bourbier ouais. Là. Ça aurait été bien un petit round de plus parce que tu vois, on n'a pas non plus grind d'une écho de zinzin. Parce qu'on ouais. Est souvent, il y a quelques-uns qui sont morts à chaque fois enfin. Oh là il est agressif. Oh wesh. Oh là wesh. Wesh. Ah d'accord. Okay, ah oui, c'est comme ça qu'il push. Oh ouais. Et une petite deadlock aussi. Oui. En gros, si on se fait toucher, t'es comme dans un cocoon de Elise. Et tu dois aller sur le cocoon, sinon tu exploses et tu meurs. On a plus d'HP. Ils nous ont bien rush ici en défense. Ils là, faut que ça va être dur, ça va être vraiment dur. Ouais, mais ça va être dur, si on arrive à prendre un petit kill en clutch. Ouais, Apo qui est low, Sévir qui a l'HP, mais voilà, c'est une Sage. Sévir pour le heal dans 25 quoi. A gaffe au mec du B là. Ouais. Ok, on a détruit ça. Ouais, et le bro Mikey, on le voit là-bas, ça va être. En fait, ils nous close le backup, tu vois. Donc, ils savent qu'on est enfermé là. Allez. Et c'est bonne chance à tous. Aïe, okay, il était one tap de toute façon. Sévir maintenant, c'est ton moment. Oh, ouais, le bon moment était. Mikey qui a cross. Il y en avait un de l'autre côté là. On a mis 4 rounds de l'autre côté. On va dans le hangar de merde. Ce côté là, ça marche pas, les gars. Nous, il faut qu'on aille dans l'extérieur. Nous, on est des gars de la neige là. Ouais. On est des gars de la neige. Nous, on est des gars du box jaune. Par contre, frère, déjà c'est totalement fou. Hein. Non, on peut quand même gérer un achat peut-être. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de thunes côté King Gun, il avait 5000. Ça c'est le perso de Gibbs, hein. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Okay. Ah, je sais pas en vrai, je sais pas. Parce qu'on avait très peu de thunes à côté. Ouais, non, ça me paraît compliqué. Dommage, ils sont obligés d'être deux pour tuer Sévir. Ok, tactical timeout. Ok, 10, c'est toi le coach. Ok, on fait un léger bail pour. Allez, 10, c'est maintenant. T'as une on va repartir en B là, tranquille, ça marchait bien. On a notre temps. Il faut que tu sois. Là, imagine que nous on est l'équipe. Il faut aussi le ton, l'intonation, il faut tout. Ouais, moi je suis un coach chill. Ah, mais t'as un coach chill. Narcus, tu fais ça, etc. Tu vois. Alors moi là. Ouais, okay. Non, Narcus. Vas-y, vas-y. Pas dans l'équipe Narcus. Moi je suis même 7, moi. Moi je suis sévère. Non, mais là, ouais, le B ça marchait bien, donc peut-être y retourner. Hein. On a notre temps, c'est. Franchement, il n'y avait pas de soucis. Hein. En fait, j'ai l'impression que le B est plus permissif aussi dans la façon d'avancer. Ouais. Là où le A, tu te retrouves très vite stuck dès que tu avances un petit peu par petits pas. Après, tu peux plus trop. Le B, c'est plus facile de planter. La difficulté, c'est de réussir à tenir le retake derrière. Ouais. Tu peux pas te planquer à des tonnes d'endroits. Et si les mecs en face sont bien en place, bah, c'est facile de reprendre le site et de gagner le round. Non, on revient en A. Non. Mais le A est vraiment dur à capturer. Je déteste ça. Je suis un B enjoyer. Ok, on va le jouer un petit peu différemment déjà. Bah, après, il a son ult. Oh, qui n'a rien acheté, il a juste son ult. Donc c'est du skill et rien d'autre. Ouais, c'est fine, c'était au cas où.
Bel fallback. Après, on a beaucoup d'ultimate. Allez. GL sont prêts à recevoir, c'est un petit peu ça qui est chiant. Ils ont plein de petites lignes cassées. Mon ultime est prêt. Bien positionné, on prend une arme. Cassé, en gros, c'est des lignes de con. Hein. C'est des lignes où c'est quelques pixels et. On a l'ultimate de même set aussi. Hein. Et on l'a mal. Oh yeah, attention. Waouh. Ah ouais. Ah bon, c'est notre initiateur. Ouais. Ouais. C'est dommage que pendant qu'il tire, et il a pu quand même tirer pendant longtemps et personne n'était là pour. Pour le truc, c'est qu'on n'avance pas tant que ça. En fait, sur A, je sais pas si c'est nous ou si c'est le site, mais on n'arrive pas à être proactif, tu vois, dans la. Le problème, c'est qu'on met les gens de Viper de B pour feinter. Ouais, mais après. Et du coup, c'est plus dur pour prendre le site. C'est ça. Ce piège aussi. Puis même, je trouve qu'ils défendent hyper reculé hein, sur le A. Ok, du coup, wall de sévir, hop, on a le site. À la base, ils jouent vraiment en mode rité avec le A. Killjoy. Ouais. Qu'est-ce que c'est notre attaque? C'est notre game. Petit Killjoy qui fait que 10 secondes, si t'es dans la zone. Tu perds ton arme, enfin c'est pas tu perds ton arme mais t'es stun genre 3 secondes. Donc c'est l'enfer. Donc là hop, Killjoy approc, on a le plante et maintenant faut tenir. Non, on a planté, on peut aller retourner à l'opposé. Ouais, on peut jouer de loin, après c'est pas planté pour jouer de loin. Allez Kin, allez Kin. Nice, 1, 2, 3, 3, 4, il en a eu 3. Il en a eu 3, Kin, c'est magnifique ce qu'il nous a fait avec cet ultimate. Il y a juste à se planquer. Ouais, là t'attends. Là on est. On a pas la faute de la WAP pour le coup en plus. Kin presse, c'est pas du tout qu'il y a un qui peut avoir. Incroyable Kin par contre là. Ah ouais? Ouais, il vient de tuer Kin avec. Allez. Ah oui, bah c'est lui qui a. Okay. Est-ce qu'il va éco là ou il va jouer? Il bon toutou, nice. Ça dégage. Là, ça fait de ouf la diff parce que économiquement, on avait quand même acheté un peu là. Donc, ouais, c'est big. Ah, merci Kin, hein, merci Jet. Ouais. Moi j'avoue que là, il a fait un rigole. Fou, Kin, allez, on se barre c'est de là. C'est vrai qu'il a fait un bon round là. Ça va péter. On commençait super mal le round, c'est une folie qu'on le mette. Voilà, Kin a été tellement clutch. Sur ce round, il a été tellement clutch, Kin, c'est tellement important, c'est bien là ce qu'on fait. Donc on arrive à gagner ce round là, si on gagne le prochain, est-ce qu'on le met en écho là? C'est ça la question. Bam. Oh ouais, bam. C'est magnifique. Et la dernière. Heureusement il y a la WAP derrière pour le cover, hein. Sinon c'est 4 contre kill. Je sais pas si c'est parce que je suis vieux mais je vois même pas les ennemis frère. Non mais en vrai tu les vois parce que tu vois bleu, mais dans la vérité. Eux ils voient. Bah dans la vérité. Pas dans le mensonge. Oui. Tu vois eux ils voient un demi-pixel, ils sont là en mode il y a quelqu'un, moi sûr. Après c'est proche de ton dizaines de milliers d'heures de jeu, tu vois. Mais aussi là t'es loin de la télé. Ouais, tu es loin de la télé. Eux ils sont peut-être dans l'écran, hein, t'inquiète pas. Pas de fou. Mais vas-y, on en a marre de là. Il a quoi ça, Mikey, qui a touché. C'est quoi l'arme de Mikey? C'est un Odin? C'est quoi son arme? Ouais, c'est Odin, ouais. Ah ouais, il veut bombarder là. Pour le coup, Odin, je pense que c'est bien pour défendre. Ah, parce que tu peux mettre des frères partout, je crois. Moi, si tu me trompes, dis, mais. Ouais, en hauteur, mais en bas. Ça me fait peur là, le A, on est plus stack. Je crois qu'il y a beaucoup de travers derrière les box. Ah, si, mais là, tu les travers. La WAP là, la WAP de Jazz là, elle me fait peur. Sur les ongles? Si, sur les ongles, ouais. Allez, allez. Oh, attention, Camille, non! C'est dommage, ça nous a fait mal. Et là, derrière, il en prend 3, il en prend 3, il en prend 4! Et là, on a Idex qui est solo, face à 3 personnes. Ouais. Non, pas le Ace, pas le Ace. Il a peine ta kill. Ouais, là il a j'aime pas le A. Hein. Vraiment, en fait, moi, ce que je comprends pas trop, ça fait longtemps là qu'on joue le A quand même. On met notre mur en B. Vu qu'on fait du bruit en A, ça sert pas à grand chose au final. Enfin, ils savent que c'est du A là, ils savent que c'est pas du B. Là il a fait un round de fou aussi. Ah, il nous a fait mal. Kamik ouais, il est méchant. Il a fait penta là. Okay. Il fait 5 têtes. Bizarre. Voilà. Allez, on se retrouve encore déréglé avec deux personnes qui ont beaucoup de thunes et les autres qui ne pourront pas acheter. On a du mal avec le 1 parce que le seul round qu'on met c'est grâce aux 3 kills de. Bah oui, clairement. Alors, je connais pas les 3. Il y en a un, c'est un. Tu lances une grosse, c'est un espèce de filet. Mm-hmm. Là, c'est le truc qu'elle a mis juste avant. 10, tu sais. T'es assis. Ouais, t'es route. Tu peux tirer, mais tu peux pas trop bouger, non? Ouais, route, je crois que c'est ça. Deadlock, je joue jamais. Ok, après, on est rejoint. T'as le allez, truc que tu poses qui fait un mur en carré. Et ça, tu peux pas traverser. Tirer à travers, mais tu peux casser le piège. C'est, ça m'a l'air assez tanky. Je sais pas combien de dégâts. Oui. Ah ouais? Ok. Et là, ils sont 3 en B. Enfin, 2, mais un qui est prêt à backup. Voilà, t'accélères. Oh non, il y en avait un. C'est dommage ça. Bon. Il été, bah, là, ça bombarde à la Odin. Là, t'entends des balles de partout. Ah, la Odin, c'est peut-être par rapport au mur de Sage, du coup. Ouais. C'est la strat. C'est vrai que oh, attention. C'est pas con, ça permet de clean plus vite. Voilà, il est ce qui est lourd à tuer.
Ouais, on a réussi à tomber de Jazz, mais Mikey qui nous tue à Laudin, à Pou, qui arrive à prendre un kill, même 7. Allez, allez 2v2, on joue on a pas d'armes. On peut jouer le temps en vrai. Ah, ouais, quoi c'est que. On peut se barrer aussi. Hein. On n'a pas posé, j'ai pas vu. Plus que 30 secondes. On a pas planté. Je pensais qu'on avait planté au moment du wall. Allez, le M. Allez, le M. Il a entendu, il sait où il est. Parce que. Ah, mais ouais. En fait, il a une Odin. Donc, dès qu'on met le wall, le mec il est là avec sa Odin, il balance 100 balles et puis c'est parti. Ah, dommage. Dommage, on a perdu ce round là. C'est dommage, j'en ai bien commencé, mais là on commence à se faire un petit peu. Un peu snowball, un peu comeback ici. Et là on pourra pas trop. Ouais, et puis ce B était pas vraiment. On était pas très bien armés en même temps. Ils ont avec que deux mecs qui avaient pu buy. Ils ont mis 3 ults. Ulti deadlock. Ah non, Mikey vient de l'avoir son ult. Okay. Bah, surtout on avait un petit achat. Hein. Mm. Ok, donc c'est ok. Allez, là c'est le round là. En vrai, le plus gros problème, c'est que la Odin counter un peu notre strat de mettre le wall et planter, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, dès qu'ils entendent le wall, ils allument. Ah, tu penses c'est pour ça qu'ils ont full commit A parce qu'ils se sont dit le B, avec maintenant qu'ils ont une Odin, ça sert à rien d'investir en B. Non, parce qu'ils l'avaient pas. Ils savaient pas avant. Ça fait déjà 3 rounds qu'ils l'ont. Ouais, mais ça fait 3 rounds qu'ils. Ok, peut-être c'est ça, ouais. C'est un peu chiant cette Odin parce qu'elle nous cuck nos stratégies, quoi. Voilà. Après, je pense qu'il y a la tourelle qui surveille. Il y a la tourelle, mais le truc, c'est qu'on est enfermé, quoi. Maintenant, c'est. Ouais. Non, ils sont 4 au mid. Attends, mais wesh, ils sont venus à 4 au mid là. Ouais. En fait, ils savent qu'on est en mode bus donc. Oui. Il a pas touché. Il a touché. Putain. On a pris combien de dégâts. Oh, Apo a pris aussi. Ok, nice. Ouais, mais quand même. En vrai, c'est nice. Mais là, le truc, c'est qu'on est enfermé quoi. Et là, Jazz, attention, Jazz là-bas. Bam, Jazz. C'est en prend deux sens. Il en prend deux avant de tomber, ça fait chier ça. Oh non. Ah ouais, mais même 7. Il prend le duel sur. Oui, vous savez que ça peut venir encore derrière, s'il vous plaît, regardez. Ouais, mais qu'est-ce qu'il attend, tu vois, en vrai. Non, là, c'est bon. Là, tu peux pas la Kamik encore une fois. Kamik encore ce mec, wesh. Frère, il est monstrueux ce mec. C'est qui ce gars là. Il a utilisé un seul de ses sorts. Ouais. Il est arrivé dans le dos, il tue juste des têtes. Oh vas-y, on l'aime pas ce mec, il est en 14-6. C'est vrai qu'on l'aime pas. Attends, 17-1. J'avoue que. C'est monstrueux ce mec. Personne ne l'aime. On va technical pause et regarder si cheat, hein, genre c'est quoi. Oh la chatte. Ah bah là, on a, en vrai. Bon, d'habitude, on le dit pas, mais là, on a été naïf. On a été naïf là. Bah ouais, là, on est. En fait, y a personne qui regarde derrière. Le mec de jaune on regarde pas derrière et le gars qui est under plant il regarde pas derrière non plus tu vois donc bah 5, en fait 5. On avait tué déjà les mecs derrière et du coup ils se sont dit ouais, mais du coup on a été naïf. Ouais on a été naïf exactement. Oh là oh là là on est là ok nice skin okay. Nice heureusement qu'on a un dash on revenge un pour un encore c'est vraiment c'est classé 2v3 c'est classé 2v3 ouais ouais c'est pas si mal pour un petit buys. Ouais on a pris de l'arme c'est bien une chance là mais faut trouver un kill rapidement. Yep. Ouais, mais lui il a une pause trop chiante pour nous en fait. Lui. Tu vois. Ouais, c'est qu'on a encore en bas là. Deux, là. Oh, oh nice. Wow. C'est bien, on a pas vu le kill mais. Oh non. Non, encore Kamik. J'en peux plus ce gars, frère. Et l'autre il avait déjà backup hein. Ils on peut pas battre des joueurs aussi là. Go ban Kamik. En vrai, ban des maps et ban des joueurs là, parce qu'il casse ses couilles. Kamik et Jazz, j'ai l'impression que c'est un peu le duo chez eux qui. Ouais, c'est les deux polonais. Ils sont vraiment. Ils sont solides. Très 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 méchants. Hein. Ouais. J'aime pas cette méchanceté. Hein. Ouais. C'est dommage, c'est beaucoup de kills. Oh, ils ont double AWAP. Ah oui. Double AWAP Odin. Ouais. Bah, ça va nous surprendre ça. Je n'ai pas les mots en fait. Ah non, mais ils ont full thune donc ils ont sûrement acheté plein. Il y a peut-être des. Il y a sûrement des aérosols aussi au cas où, à mon avis. Je pense. Ils vont juste pour peut-être cheese au début de round et après ils vont la laisser au spawn. Je sais pas. Hein. Ouais, aucun dernier round, ils mettent tout leur gun, ils s'en foutent. Bah voilà, il y a une Odin. Après, on n'a pas pris les lignes de la WAP, tu vois. On a joué très vite. J'ai eu une attaque. Nice. On a déjà mis notre wall. Hop, il est dur en plus. Boum. Okay. Parfait, en vrai là c'est trop bien. On a. C'est bon. Wow. Il se heal. Ça. Ok. Allez. Ça c'est ce qu'on aurait dû faire sur A depuis le début en vrai de réussir à planter assez rapidement. Ouais, de rush quoi. Ça. De faire c'est passer le plus à. On a pas d'ulti. Eux ils ont l'ulti Viper par contre. Hein. Yep. Ils ont ulti Viper, mais on a pas d'ult. On a pas prêt d'avoir d'ulti. Apo, nice. Ouais, on a cross. Nice. C'est pas mal la pose d'Apo. Oui. Apo, incroyable! Apo quand on a trouvé 3 pour 2. Ok, allez, c'est 7 sur Magic. Okay, 1v3. Le dernier. Allez, il faut tomber Roby et c'est bon.
ça va comme ça. Là, attention, on sait où il est. Ils ont l'info. Oh là, non. 21 HP. Il doit défuse. Le temps, c'est bon. Bah c'est tout. Ah c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est win, c'est win. Voilà, c'est bon, tranquille. OK. 6-6. Putain. Franchement, on avait trop bien commencé, 4-0 derrière, on a commencé à changer de site et c'est vrai que ça nous a un petit peu desservi. On n'a pas réussi à vraiment prendre des points là-dessus, mais là ça va sur cette fin de map là, heureusement, on égalise là. Maintenant en défense, bah on l'a vu, la défense c'est pas facile hein. Ouais. Sur cette map, c'est pas facile la défense. On va voir donc comment il faudra, ça se là le gun round, il est extrêmement ils ont important. Pas, ils ont pas la facilité à poser que on avait sur B en early avec c'est Sage. Pas après. Peut-être qu'avec Deadlock, je te dis, ils ont un truc, mais un setup de con qu'on connaît pas, tu vois. Ah ouais, mais ça fait pas la même chose, le wall de Deadlock. Ouais, mais peut-être que justement, ils lockent un truc, tu vois. Fait que j'ai l'impression que Deadlock, c'était fort en défense sur A. Parce qu'en gros, t'as un moment, au niveau du sol, t'as qu'un passage, en fait. Tu peux mettre ton trap, enfin, il y a un espèce de carrefour où il met son trap. Son mur. Ouais, enfin, son trap avec le... Enfin oui, c'est un trap au sol, trap et t'as un wall. Non, mais ça. T'as capté le wall, okay. Mais non, c'est... Moi, j'avais pas capté, perso. Je dis n'importe quoi, Katin. C'est un truc au sol, enfin, son mur n'est pas un piège du coup. Parce que moi, t'as un piège. Ouais, j'appelle ça un trap parce que ça ressemble à un trap. Est-ce qu'on s'y. Parce que nous on a joué vite. Attention, c'est attendez. Oh, ah, Kamikaze. Encore lui qui prend le duel sur Kin. Derrière. Moi je dis. Pour Bobby, le dire. Bizarre. Qui prend le meilleur sur Idex. Et là, même 7, après il est jaune et là il est pas repéré. Oh, ils sont naïfs sur les mêmes 7. Oh, les mêmes 7. Là tu peux faire le round de ta vie, frère. Allez. Non, dommage, c'était le moment de faire le round de sa vie. C'était vraiment le moment de clutch. Hein. Ouais, on aurait même presque pu attendre avant de tirer parce qu'il était vraiment pas spotted. Et là, le problème, c'est qu'ils ont planté, on est en 2v4, ça va être très compliqué. Deux. Ils nous ont vu en plus. Ah, Magic qui est dans le dos. On a pris une balle sur Apo. Sivir va pas claquer son wall, je pense, pour garder le prochain round. À voir s'ils veulent vraiment. Et tu vois, regarde. Je pense qu'il peut passer, je vais dire qu'il peut passer. Je crois qu'il peut pas. Si, il peut. Il était passé. Hein ? Non, ouais, non, dommage. Ouais, ce gun round là, de toute façon, vu comme ça a commencé, c'était forcément difficile. Ouais. Tu peux passer, mais t'es un poulet quoi. T'es... Ouais, c'est vrai, c'est ce duel là qui fait mal. Hein. Ouais, direct. Hein. Il était dessus, hein, pourtant il a bougé un peu trop vite. Camille qui clique sur le truc. Et là, ici, c'est tellement dommage, gros. Ouais. Là, il aurait pu prendre plus. Là, hein. Trigger discipline, il aurait pu les fumer. Hein. Après, il peut pas trop attendre parce que le mec, il est en train de lui sprinter. Non, ouais, mais il reculait en fait. Il reculait d'autour. Il allait le toucher soon, quoi. Je pense que t'as une seconde de plus max. Ouais, mais une seconde, c'est énorme. Ouais, une seconde, c'est long. Mais... Une seconde, en fait, ça lui permet de savoir où sont les autres et de pouvoir anticiper. Même, il peut mettre HS sur le planteur, Intus flick sur l'autre, celui d'après, tu vois. T'es dit. Big. Bon, là. Là, il va falloir réussir à être solide en défense. Hein. Yep. Là, ça va être dur. Hein. Ils ont acheté. Après, nous, les shérifs, ça nous connaît. On aime bien mettre des HS aux shérifs. On est des joueurs shérifs. On est des joueurs shérifs. Un peu, hein. En vrai, oui. Hein. Oui, là, le... Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le cut de fou. C'est le cut au... Ici. C'est quoi déjà? Au nain? Non. Le cut épée dans Halo. Poison désactivé. Ok, on a pris l'info. Est-ce qu'ils vont repique? Ils vont repique. Le truc, c'est que Idex doit tenir deux. Il faut mettre une tête. Une tête là sur la première balle. Une tête en mort. Ah, il va passer là. Oh, ils sont passés. Oh, le timing. Oh, non, là, c'est compliqué là. Le timing était très unlucky. Oui, c'est grave. On n'a pas les timings là pour le moment. Et là, ils vont pouvoir enclencher directement. Après, ce qu'on a. Ouais, il sait. Et là, l'ulti deadlock. Enfin, le. Dommage. Parce que du coup, tu peux shoot à travers, tu vois. Donc, si t'as bien la line-up, tu peux peut-être faire le temps. C'est que les balles alliées qui passent à travers, du coup, ou c'est. Non, mais c'est sur Magic. Les balles. Ok. Bon, c'est Vire, c'est. Il va prendre la grenade là. Aucun ennemi. Il a fait la moitié. Ouais bon, après là, de toute façon, c'était un round d'écho. Forcément, on avait un peu de stuff. Là, on commence à être dans des rounds à ne pas perdre. Oui, là, c'est le round à ne pas perdre. Là, surtout particulièrement, celui-là. Ouais. C'est le round à ne pas perdre. Là, c'est vire, c'était. Parce qu'on peut pas leur laisser un snowball et c'est à nous de casser leur écho et leur momentum. Parce qu'on le rappelle, on gagnait quand même 4-0, ça je crois. Yep, 4-0. Ouais. Et au final, là, ils sont dans un momentum 8-2. Mais Kamik a 20 kills, gros, déjà. Ouais. Non, mais frère, il est. Magic et Mikey, ils ont 3 kills. Ouais. Non mais Kamik, le nombre de kills qu'il a fait, c'est une folie. Non mais Kamik s'est abusé. Kamik, ce match-là, c'est ridicule. Hein. Mais vraiment, on est 17. Hein. Une bonne game. Hein. C'est quoi ce... Enfin... Ok. Oula, par contre, au niveau de la position, on est comment là? King Nguyen, une petite ligne. Oh, on a entendu du bruit, là, non? Ça peut surprendre, en vrai. Ça peut surprendre. Oui, nice, c'est bien ça. J'ai eu peur, ça a pris un ball. Hein. Ouais, moi aussi, mais ça va. Hop, on repart sans faire trop de bruit en plus.
Il s'est infiltré, il a pris son petit kill, il est reparti comme un roi. Comme un roi. Je vais pas se prendre une tête là. Ça va jouer slow de toute façon. Okay. Okay. Yeah, 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 yeah. Bon, on a l'info de la WAP. Oh non, non, cool. Non. Oh. Nice. Ok, ça va, y avait un peu mieux. Slow après. Oula, attention, on a l'information sur le Marshall. C'est le nouveau snipe en fait. C'est celui-là, c'est quoi le nouveau snipe? J'ai pas joué avec pour le coup. Et il tire en ligne droite déjà. Il one shot si t'as pas l'arme. Ok, le M. 140 dégâts, il met. Ok. Le mais M, c'est quand même. C'est plus bas. Ouais. Ok. King Nguyen, c'est bien. Ok. C'est bien, on les deny tous. Si on arrive à récupérer l'opérator et de. C'est pas en ligne. Non, non. Oui, oui, putain, il l'a. Ok, on fait gros. Ça, c'est parfait. C'est magnifique. C'est bien, c'est bien ça. Le snipe qu'il a, écoute moins cher. Voilà, mon petit. Oui. Allez, ça part de là, les gars. Ça part de là. Parce qu'il parle des dopés. Ah, je pensais que c'était. Ok, non, c'est le nouveau. C'est le nouveau. C'est le nouveau. C'est les deux. Enclopé le Marshall. T'as deux balles. Et par contre, c'est quoi la cadence de tir? C'est comme un. Ça tire super vite. Ok, ouais. Les deux balles, tu peux les enchaîner. Ok. Quasiment. C'est comme le Marshall. Encore plus rapide parce que ça dézoome pas. Ah ouais. Ah oui, donc c'est de la folie. Ok. Quoi. Ok, ça c'est bien. Et là, okay. Si on gagne le prochain. C'est un fusil à pompe quoi le bordel. Il faut être un peu dans la merde là. Ouais, là il faut gagner. Il y a des gros investissements. Si on gagne, ils sont en écho, c'est bien ça. Ouais. Jazz, il a acheté une OP, il a 0 gold. Allez. Ah, mais là, c'est en fait, le problème c'est que cette OP, il faut s'y attendre. Oui. Agression, les filles. Ah, et voilà, l'OP, on s'y est pas attendu. Et Idex qui tombe. Ça fait mal en plus, un Idex qui tombe. Ça, Idex. C'est très chiant. Et eux, quand ils passent en B, généralement ils nous font mal. Enfin, ils nous ont fait mal tout à l'heure. Donc. Il y a le tube en plus. Oh, là, non, cette OP les... nous fait trop mal. Cette OP nous fait trop mal, mais ça va, même 7. Même 7 qui le sort, c'est bien. Deuxième, si. En fait, il y a un mec qui va arriver derrière par le tube, c'est ça qui peut être chiant. Voilà, c'est lui qui est chiant. Faut faire gaffe. Est-ce qu'on a regardé derrière? Non, on n'a pas regardé. Est-ce qu'on a fait gaffe? Attention, non. Ok, on a l'info. On a l'info, mais on a perdu un joueur, donc c'est pas spécialement ce qu'on veut. Pas sur le jump. On va essayer de le tuer. Nice. Oui, voilà. Okay, très bon timing. Ah, dommage le timing. Pas de chance, mon gars. Ok, 2v2. Ça se joue, ça se joue. Ah, il a mis son wall. Le M et le S. Wesh, c'est quoi ce wall de Golemont? Le M et le S, les deux clutchers. Bah, le mur, en fait, nous cuque l'endroit, quoi. Ouais, oh, il faut détruire deux trucs pour passer. Donc là, on est obligé de passer par là parce que c'est l'enfer. On a un mur pour la retake. Ça peut être utile. Il y a un monde, le mur posé. Par contre, il y a l'outil deadlock en fait. L'outil deadlock que bah. L'outil deadlock. Attends, pourquoi le mur va le planter instant? Ah, il a été ulti, GG. Et là il est mort. Fin du round. Il a été ulti, là il est mort, il le sait. Là il se fait ramener jusque lui. Du coup, quand t'arrives à la fin. C'est toi qui le contrôle l'ulti ou juste c'est la tarte d'Eva? Non, tu mets dans une ligne, t'es pris dans la ligne, t'es dans le cocon et bonne chance. En gros, faut tuer deadlock avant que le cocon il te tue quoi. Tuer le cocon, faut tuer le cocon. Tu peux tuer le cocon aussi. Je sais pas ce qui se passe si tu tues deadlock. Je crois pas que ça arrête l'autre. Ça, c'est le replay de tout à l'heure avec Jazz. Ouais, ils nous ont fait mal là-dessus. En fait, Jazz a pris 2 kills. Comment il s'est fait one shot le wall? C'est au début quand il pop, il a son HP. Au début de la bêta, quand tu popais, il avait 400 direct. Un petit peu fort. Et maintenant, en gros, quand tu le mets, il a genre 100 HP. Et après, il se rendurcit, il passe à 400. Okay. Mais du coup dès qu'il pop bah t'allumes et tu peux le détruire. Par contre c'est super chiant. Oh ça c'est dur. Putain Jazz il nous pète les couilles là sur ces deux mondes. Sur les rounds là, sur les duels il fait mal. Ils ont pas l'op, je sais pas si on le sait ça. Putain Jazz. Ok, 4v5. Il faut le gagner celui-là. C'est celui d'avant qu'il fallait gagner impérativement. Là ça va commencer à devenir de plus en plus dur. Ils ont l'outil Jazz qui peut beaucoup dézoner. Ok, ça joue leur du coup, c'est Idex qui est solo en B. Quand ils vont le voir? Alors, ils ont détruit notre truc, notre petit robot à nous. On peut voir aussi qu'ils jouent pas du tout pareil que nous l'attaque. Ils jouent plus doucement. En fait, ils prennent des informations sur les deux sites. Et après, ils adaptent, ils font un petit peu l'essuie-glace à droite à gauche pour savoir où ils vont. Et là, Idex solo. Le truc, c'est qu'Idex a rien pour vraiment tenter. Il va falloir mettre deux têtes. Il a un mur, quoi. Ouais. Ouais mais bon, ok, c'est. Hop, Jazz qui va dézoner. Idex qui va prendre son ult. Hein. Boom. Oh. Vraiment rien faire fort ici. Fort qu'on est pas ensemble. C'est dire qu'il va raise. Ok, il fait beaucoup de bruit. Il y va. De toute façon. Il a troll là. Là, il a du haut. Abuse. Il tend sur le cul le Doug. Nice. Pas nice. Dommage. Là, c'est du 2v3. C'est Kin. Et c'est Vier. Est-ce que Kin a l'OP? Kin qui a récupéré son OP. Il a récupéré l'OP. Après, justement, en 2v3, c'est chaud. En retake, l'OP, c'est pas le mieux, non? C'est ça, c'est non, pas fou. Nice. Ok, c'est bien, par contre, ça c'est bien ça. On a le wall, c'est important. Par contre, faut qu'il détruise le wall de. Il reste qu'à Mick, hein. Il m'effraie ce joueur. Hein.
Ok, on a le wall. Il y a l'ulti de Sova aussi. Vas-y, c'est vire. Pas de fuite possible. Ok, on bait l'ulti Sova. Nice. On a le temps encore là. Nice. Oh, King Gun, ça c'est big ça. Et là, on peut peut-être défuser avec un wall. Nice. Oui. Nice. Allez. On l'a ou pas? Est-ce qu'on l'a? Dis-moi qu'on l'a. Il est spéré ce retake. Hein. Ouais. On l'a ou pas? Oui, on l'a. On l'a large. Une 37. 2,51, ah oui, c'est très large. Ah, c'est très large. C'est très large, c'est magnifique. Oui, ça. Ce round-là, il est tellement beau. Ce round-là, surtout qu'il avait si mal commencé. Attends, frère. Mais ouais, on a perdu l'OP. Là, quand on perd cette zone, ouais, quand on perd on est 2v3. Ah ouais, il y a eu l'ulti de Sévir quand même qui reskin. King qui arrive à mettre la tête, enfin la balle sur Kamik. Bah, Sévir et King pour tout le monde. Sévir, il a été tellement clutch dans ce round encore. Sévir, il est tellement bon aujourd'hui, là, ça fait plaisir à voir. C'est dur, mais c'est faisable. Il faut aller chercher le prochain round là. On a l'ulti du M. Après, encore de quoi bail. Du M, ulti de clean. On a deux ultis, ils en ont pas. Surtout l'ulti de même 7 hein, qui peut hard carry. On a du gros shield, ils en ont pas aussi. Okay. Hein, c'est quoi cette ligne? C'est un nouveau truc? Ouais, toujours été. C'est un nouveau truc. Bah non, elle a toujours été cette ligne. Ah, je sais pas, bon, pareil, Ok, donc là ils savent qu'il y a l'op. Après, il y a 5 ans, un peu hein. Différemment du coup sur cet endroit. Peut-être devoir s'adapter, hein. Peut-être même rotate. Okay, bon, ils vont rotate. Ils ont bien rotate. Hein. Ils ont eu chaud. Ils ont mais si tu regardes, on a King qui rotate aussi en même temps. Ils ont entendu le coup d'OP, ils se sont dit ok, on reste pas là, on se barre de là. C'est mal, ça peut comprendre que Kin est rotate aussi vite. Ils vont pas s'attendre parce à. Parce que là, Kin a vraiment rotate, même instant. Pareil que genre vraiment il a couru. Allez. Dommage. Ok, il a le solo, c'est pas grave. Il a le solo, ils vont pas pouvoir prendre la zone facilement. Allez, Kin. Robby a 1 HP. Ah, dommage, Sévir qui est tombé. Ah, c'est bien. Ok, c'est on a des petites line-up au cas où il plante là. Allez, remets ta line-up à peau. Ça fait chier qu'il ait survécu, Robby. Hein. Ouais. On plante. Putain, on avait bien joué, c'est dommage là. Ah, ils ont ramassé une arme. Ouais. On avait réussi à faire la bonne rota, mais malheureusement pour l'instant ça a pas payé. Ok, ulti Kidjoy qui va dézoner. Non, non, je dis pas que. Oui, merci. Ça c'est genre okay, vraiment la grenade aurait pu enculer le round. Qui tue, ça peut one shot l'ulti oui, Kidjoy. Nice. Il a combien d'HP lui? On sait qu'il est là, on sait qu'il est dans le coin. Ouais. Allez, Idex, s'il te plaît, gagne ce duel. Non, oh, il est sur point. Idex en point. Pas le deuxième malheureusement. Il va falloir diffuser un soon. Ah ouais, faut pas commencer. Non. Oui, non. Il a un HP. Non. En fait, on a. Il a 5 HP tout le round, frère. Ah, abusé. On a pas rité assez vite, donc la fin. Ah, ça se joue tellement à rien, franchement. La fin, t'es obligé de diffuser et tu peux pas jouer le duel, c'est trop tard. Ça se joue à 5 dégâts sur Obi en early round. C'est terrible. C'est terrible. Et ils sont bien joués parce qu'ils ont vraiment piqué un par un et tout. Ils sont décalés, recalés. Genre, ils ont perdu beaucoup de temps là. Tu vois, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre au-dessus. Alors, la chatte, voilà, faut le dire. Parce que là, c'est... La bombe, elle est placée. Ouais. Oh. Qui peuvent défendre, c'est abusé. Ah, la tête sur M7, même si ça fait mal aussi. Time out Solari. Ah, NRQ, tu dis quoi? Non, c'est pas moi. D'accord, c'est toi le coach là. Voilà, en gros, là, je suis coach, je leur dis, les gars, c'est rien, il y a 18, faut réussir à se ressaisir. Est-ce qu'on force buy ou pas? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, on force buy. Tu penses au force buy là? Bien sûr, on force buy, là c'est mental, tu vois. Motive-nous, motive-nous. Là c'est pas un problème de stuff les gars, c'est un problème de mental, il faut se ressaisir. Commander une partie, on reste confiant, on joue en groupe, on joue coordonné, on reste à 5 sur le site et on le défonce tous. Ils vont arriver à 5 sur un site, on flippe un site. Moi j'aime bien. Je suis dans l'équipe, je suis motivé. Ok. Alors que le discours de tes cousins. Oui, je suis manager chaud, ouais, les gars. Chaud, je suis manager Carrefour. Allez, on y va. Ah, ce round, il fait mal, hein. Allez coach, on espère que le coach a su le remotiver les gars. Robby a 21 kills aussi hein. Robby et Camille qui sont en mais deux. Les deux. En fait, même Jazz. En fait, il y a 3 mecs qui carry et 2 autres là. Alors que nous on est une équipe. Eh ouais. Bref. À ce moment, nous avoue, j'aimerais bien qu'on le mette. Mais c'est très difficile vu qu'on n'a pas acheté. Okay. Non, on n'a pas force buy. Après, on n'a pas. On n'a pas de quoi force buy. On n'a vraiment pas de quoi force buy de façon. Dans cette zone. Aïe, Robby, non. Non, nice, ok. Dommage. Ah, dommage. T'as rien d'avoir le deuxième. C'est vraiment ça, il fallait que King clutch avec le. Après, ils ont fait comme le coach avait demandé. Hein. Un stack. C'est ça, hein. Sauf qu'ils n'ont pas. Nice. Oh, oui. Ou non belle, belle, belle. Dommage. Allez, même 7. Dommage. Ouais, de toute façon, là. C'était une écho. C'était une écho, les gars. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut réussir à jouer. Ouais, c'est faut mettre le là, c'était conseil du coach. C'est en mode d'y aller à 5, vous êtes faire tomber des armes et bonne chance. On va voir ce qu'ils nous ont coupé. Là, maintenant, c'est le round important de cette partie. Parce que si on perd ce round là, eh bien, ça va être très dur de gagner la suite. Ouais, en gros, ils étaient 4 là. Hein. Ouais. Oh, c'est dommage. Putain, dommage. Ça, ouais, ça se joue faire un kill de plus. Quoi. Par contre, là, le choix. Cette balle d'Idex, elle est magnifique. Idex là qui régale. Maintenant, on est légèrement derrière en stuff, mais. On a de quoi se défendre.
Faut gagner, on a l'ulti d'Apo, ça peut être utile. Eux, leurs ultis, ils les ont presque tous. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce qu'ils ont l'ulti de Sauvar? Ils sont à 1, donc ils vont l'avoir avec une orbe. Et ça, c'est un petit peu. Allez, mon broken. On a lopé, pour nous. On a lopé de kill là. Kill, il faut que. Ils l'ont pas donné à Roby? Non, ils l'ont donné à Kamiki. Ok. Je comprends pas, parce que peut-être qu'il va plante, je sais. Bah, en fait, c'est allez, peut-être qu'au pire, s'ils perdent, ils ont tous leurs ultis pour rendre après. Allez, mon broken. Allez, Jask a pris l'information très vite. Ouais, on peut. Nice, nice, nice. Oui. Ça, c'était très malin ça. C'est bien, il va se faire avoir. Nice, nice. Ah, il va se faire avoir, mais il fait 2 kills. Ok, ok. Qu'est-ce qu'ils font? C'est combien de temps le... Trop longtemps. Ils vont pas s'attendre peut-être au deuxième? Si. Non. Attends, mais... Par contre, c'est bizarre que Kingen soit fait prendre. Non, parce que lui, il venait de... Non, dommage. Ce round-là, il était tellement important. C'est la merde. Comment il s'est fait prendre Kingen? Il venait du mid, lui. Ouais, il venait du mid, il a voulu grid un kill ou cover Sevir, okay. Je sais pas. Mais cover Sevir, je pense. Non, non, mais il a dû se reprendre à la limite. Sevir avait encore fait un... Parce que Sevir, il avait pris une masterclass encore. Ouais, ouais, ouais. Il avait été bon, là. Mais là, il savait. Putain, ça joue vraiment à rien. Je crois qu'il y avait 3 joueurs qui ont été pris dedans. Ouais. En 2. Ouais, c'était 2. Oh, 2, ouais. Mais... Oh, et même 7 qui a raté son après. Aïe aïe aïe. Bah là, en plus, là, ah, attends, là, ça nous a mis là, trop là, bien. On avait 2 ults et tout. En plus c'est notre stuff, quoi. Stuff que la merde. Pourquoi Apo détruit pas l'ulti de Killjoy et que son sauva? Ouais, tu sais où il est. Ouais. Tu vois le centre. Tu vois l'épicentre. Pas de fuite possible. Est-ce qu'Apo était en vie après? Ok. Oh, il a touché. Ok, nice. Bon, il a mis des dégâts. Bien, quand même, hein. Il va prendre ce heal. Mais... Ulti deadlock aussi. Ok, qui a pas touché Kin. Kin a une position gothier. Non, non, non. Non, oh non, oh, on a pas le timing. On a pas le timing sur lui, c'est abusé. Il le voit, il le voit. Nice. Voilà. C'est moi aussi. Non, mais attends. Chatte. Après, c'est pas fait. Mais il avait entendu. Du coup, on sait que c'est B. Il y a quand même le. Camille qui va peut-être. Non, c'est bon. Ok, je crois que Sevir a déjà mis son wall en plus. Qu'il s'est fait passer vite. Ok, nice. Même nice, même 7. 5 HP, c'est pas grave. C'est assez nice. Oh le. J'ai... Bah, je vais rien dire sur cette arme, mais bon. Ah, c'est magnifique. C'est nos kills, on prend. C'est excellent, bien joué. Il y a un truc aussi, c'est quand il y a un mec qui est dans, votre... dans l'ult, tu le vois genre en rouge qui ressort. Du coup, c'est. Pourquoi bah, attends. Quoi? Il a fait en blind? Oui, il a fait en blind. Il a fait littéralement. Bizarre. Bizarre ce qu'il fait là. Bizarre ce mec. Allez, en plus, soit okay, tu veux faire le malin à dodge. Hop. Nice. Même 7. Toujours 5 HP, on va faire. Non. Oh non, t'as grillé. Faut pas être naïf. Faut pas être naïf. On sait où il est. Nice. Ça, okay. Va, okay. Ça va. Ça va que. Ouais, Kamik, il a mis une balle dans l'ulti de. Bizarre. Ah, bizarre. One tap à travers et tout. On est trop fort, frère. Ah, il est très. Il est trop fort. Elle est trop fort. Ouais. Bizarre. On peut revoir la balle de. Est-ce qu'on peut voir la balle? On peut voir sa POV? On peut s'il vous plaît. Var. Ok, time out. Oh là là là, la game, en vrai, de vrai, cette map là, elle est intense quand même, mine de rien. Il y a encore moins de comeback là, mais il va falloir être solide, on n'a plus droit à l'erreur. C'est bah, largement, bah après, si on gagne ce round, eux ça les met comment économiquement? Il a un peu dans la merde. Ils sont quand même riches, mais. Ouais, non, pas tant dans la merde que ça. Ah non, ils sont riches, Mikey, hein, je pense qu'ils peuvent rebailler. Ça va. Ah, si on en gagne 2, ouais, mais va descendre 15. Si on en gagne 2, peut-être le 12-12, ils sont en écho, tu vois. Enfin, le 12-11, 12-12. Ouais, ils sont en écho. 12-11, ouais, par ils contre, sont le prochain round, ils vont être très dangereux parce qu'il y a l'ulti de Raze pour prendre le site et planter. Et derrière, il y a l'ulti de Viper pour protéger la. Ouais. C'est chaud. Après, on a quand même l'ulti de Sevir qui a de la value quand même. L'ulti de même 7, il faut une seule orbe. Surtout. Ouais, peut mais même 7 peut aider. Ouais, pour faut qu'il arrive à prendre un kill. En fait, qu'on ait de la chance, c'est que même 7 fasse un kill, ils attaquent cet endroit-là, ils mettent l'ulti sur l'ulti Viper et tout. Et tu peux jouer l'orbe quand t'es en def comme ça sur cette map ou c'est impossible? Je crois que c'est... En A ouais, c'est en B c'est plus dur. En B tu peux... Bah, ouais, en B elle est loin hein, pour ceux qui défendent. Ouais, mais bon, c'est toujours c'est un commit quoi. Ouais. C'est plus un commit pour nous que pour... Et genre, surtout ouais. Là t'as pas trop envie que Sevir, parce que Sevir il a besoin de... pour le surnombre de pouvoir... Bah Sevir faut qu'il soit sur un site où c'est attaqué meure, aussi. Ouais, il faut pas qu'il meure ouais. Surtout. Il peut pas raise. Allez, même 7 met son petit robot. Contrôle la zone. Oh, attends, on fait quoi là? Ok. On a en retake. Tout laisser le A. Il y a même 7 qui est solo. Avec rien à kill. Non, faux. Ok. Ok, même 7 a mis tous ses trucs, mais c'est tout fait détruire. Elle a bien senti un raise qu'il y avait personne.
Ouais, voilà, Kamit encore peut-être, hein, qui a son... Bref, alors allez, même cette ton petit kill, ça pourrait être. Ça change le round, hein, si même cette fait un kill, vu qu'il aura son ult. Ok, dommage. Oh, oh non. Allez, ça, ça bombarde, frère, ça, ça bombarde. Il y a des walls, il y a des trucs, il y a des machins, je comprends rien. Comment on se bat, frère? Ah, personne comprend, bah, c'est dur là. Là. C'est très dur, mais il faut y aller. Hein. Il y a, ce qui est chiant, c'est qu'il y a l'ulti de Jazz. Il doit passer dans l'ulti de Viper là, ça va être. Bah, il y a 19, ouais. Voilà. Et là. Oh, oui, ça va. Oh, Apo, Apo tellement clutch. Apo, aucune chance. Il va falloir Nice. Il va falloir diffuse, hein. Ils savent qu'il y a un mec à gauche. Ils savent qu'il y a un mec à gauche. S'il te plaît, Apo, s'il te plaît, Apo, s'il te plaît. Oh, Roby, faut diffuse. Nice, on a fait la moitié. C'est bon, c'est bon. Là, on diffuse, c'est magnifique. Allez. Oui. Ok, attention. Oh non, on a perdu une arme. Ok, okay, ça, on prend le kill. Putain, c'est inespéré. Oh là là, oh, c'est magnifique. Oh, oh, le round de fou. Oh, le round de malade. C'est pas mal. Littéralement, le round. Moi, du verre pendant 40 secondes. Non, attends. Son ulti part. Le truc clutch, c'est Apo qui met la tête sur. Si Jazz il tombe, c'est vraiment. Enfin, si Jazz il lance son ult, triplé, fin du round. Allez, GG. Oh là là, Apo tellement. Tellement clutch, merci. Ouais, c'est. POV des joueurs par contre, les gars, je vois rien, moi non plus. Tirez. Quel jeu de Et là, du coup, en plus, on n'a pas utilisé les ult de Sévir MM7 hein, parce que ça a été super vite et au final, on n'a rien pu utiliser. Et du coup, c'est genre vraiment, c'est big de chez big d'avoir MM7 direct. Parce que là, il va déjà être sur site. S'ils refont pareil qu'on a l'ulti MM7, c'est incroyable. Qui tombe, quoi. Ouais. Dans le même setup, là, on a cette fois, on a l'avantage. Dans le même setup. En plus, si on gagne, on les met en écho et tout. C'est Ivan. Oh, pas mal. Je l'ai. Allez, c'est parti. Même set. Sa cloche est sortie. Killjoy qui met lutte. Ok. Directement. Lente quand même. Ouais, le timing est bon. Ça c'est bizarre, okay. Non. Ah oui, là non, tu peux le cover ah ouais, de l'autre bout, je crois. Il bloque le truc, on n'aura pas le temps de. Ouais, là. Bon, là j'ai dit de la. Ça pas de. Ok, même set, c'est ça qui a ton magic. Attention. C'est bien qui met son petit wall. Allez, mets ton wall. Killgun qui peut peut-être heal. Non, non, Rydex il tombe. Nice. C'est bien, même set. C'est bien. Tu sais qu'il est à gauche, tu sais qu'il est à gauche. On sait qu'il y en a à gauche. Ah, on peut. Ok, c'est bien, c'est bon, c'est magnifique. Allez, 12-11. C'est bon, on y va. On a encore l'ult de Sévir. Ouais. Du coup, on va pas l'utiliser parce qu'on a l'écho. Non, ils sont en écho. On a l'écho, on a l'écho. Non, ils ont pas l'écho. Regarde Apo. Non, mais eux ils sont en écho. Ouais, mais eux sont en écho, donc je pense que la value de l'ulti. Ouais, c'est mieux pour récupérer l'arme plus sauver quelqu'un. Sévir, j'ai envie de le clutch. Il est tellement énorme aujourd'hui. J'ai envie de le péter, mon frère. Oh là là, Sévir, merci monsieur. Allez, FC Sévir. C'était dur encore ce round. Hein. Purée, cette map, elle est. FC Sévir. Même 7. Le SLEM. Ah, mais non, mais. Ils ont encore de la tuite, frère. Ils doivent, dans tous les cas, il faut le bail. Parce que quand il y a égalité, c'est tout le monde à 5 cartes. Je pensais qu'ils avaient moins que ça. Ouais, moi aussi, je pensais qu'ils allaient avoir moins. Pareil, moi dans mes calculs, ils avaient moins, mais. C'est qu'ils ont snowball une petite écho. Ils ont snowball. Ils ont fait des kills. Ils ont fait 3 loses dessus, je crois. Ils ont fait des kills aussi. Si on gagne, c'est overtime. 12-12. Le premier avec 2 points d'écart gagne la map. Allez, on a, on a toujours l'ulti de Sévir. Eux, ils ont l'ulti de Kamik, là, je sais pas. C'est le truc qui. Et il y a Roby aussi. Roby, j'espère qu'il va pas faire de kill parce qu'il peut récupérer rapidement l'ulti et lui, ça peut être gênant aussi. Le problème, c'est que là, il va récupérer une orbe en fait. Ouais, pour la Ritex, c'est. Il l'a maintenant, ouais, son orbe. Il l'a. Ah oui, c'est sûr. Pour défendre une Ritex, c'est trop bien en son ulti. Mais qu'est-ce, sa flèche? Orbe de poison actif. Oula, qu'est-ce. Ok, Alex fait une line-up, je pensais qu'il a. Roby, il a son ult. Non, ça aurait été trop bien. Ritex. Bon, ça, en vrai, quand il joue comme ça en 12-11, gros. Je suis très stressé. Mike et MM7, ils se regardent. Ils savent l'un l'autre qu'il y a un mec en face. Parce que nous, on a Sévir qui est sur A. Sévir. Ils sont 5 ici. Il est pas en train de bouger, donc on sait pas ce qui se passe. On sait juste qu'ils ont pris l'orbe. 40 secondes, là ça va déclencher soon. Ouais. On a pas lancé trop de stuff, je crois, non? Gros, j'ai mal au ventre, je suis tout stressé. S'il te plaît, Kin. Putain, Mike, il faut pas qu'il fasse ce kill. Le kill mid là est trop très important. Nice ulti de. Ok, il death. Non, sur Jazz. Oh non, mais il est dans le dos, Mikey dans le dos. Non, il fallait pas faire ce duel, Mikey quand tu deux, il death qui prend le kill sur Kamik, c'est bien ça. Il death malheureusement qui arrivera pas à voir Magic, mais on a le duel de Apo. On est en 2v1. C'est bien, t'as ton ult. Il y a l'ulti de Sévir. C'est pas planté. C'est pas planté. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Sévir, faut utiliser parce que ça se fait de toute façon. Allez, ult de Sévir. Allez. On le laisse planter. C'est pas grave. Même 7 ou là, par contre. Non. Ok, oui, yeah. Let's go, 12 FC pour pas de Sévir. Voilà. Let's fucking go. Voilà, Sévir. Le regen de même 7 qui a bait. Oh sa mère. Même 7 qui a perdu du KD pour l'égalisation. Hein. Allez, on y va. On lui a rendu une, on lui a donné une mort en plus. Possible.
Je vais pas vous mentir, quand il y avait 12-9, j'étais pas super serein. En plus, le round commençait mal. Le round a trop mal commencé. On a réussi à clutch 3-4 rounds d'affilée là. Et en vrai, Mikey, il a fait mal sur ce round aussi. Mais ça va, on a réussi à comeback. Allez, là, le round avec l'ulti de la Viper, il était incroyable. Là, il y avait ulti Viper, ulti de Jazz là. Du coup là c'est on est encore en défense. Non ça swap je crois non ça swap aux 12 12 et ça swap à chaque round. Ok. Et tout le monde est genre mid enfin au même nombre de d'orbes sur l'ulti et tout chaque round. Ok. Tout le monde a 5k. Allez du coup là il faut faire le break là. Là c'est le moment il faut gagner ce round putain. Allez les gars. On attaque comment? On attaque comment? On attaque comment on a commencé? Est-ce que ça va faire? Il y a une Odin, il y a une Odin encore. Ouais, ils ont pris la Odin, ils ont la strat Odin cette fois. Ah, on tente quelque chose mid, on n'avait jamais fait ça. Hein. Ouais. Ça peut surprendre. Hein. Surtout en overtime. Okay. Originalité, l'attaque au mid. Okay. Passe à travers la smoke. Attention par contre, là, ils ont la ligne. Attention, Mikey qui en prend. Ouais. Il attend DM, c'est Vir, c'est Vir encore une fois sur Magic. Malheureusement, Kamik qui prend le kill sur Ides. Kigen qui prend le meilleur sur Kamik. Oh non, Odin elle fait mal, la Odin elle nous fait tellement mal. Attention, Roby dans le dos. Attention, le timing qui s'est loupé. Là c'était chaud, on était pris en tenaille sur cette fin de round. Ils étaient bien préparés à ça pour le coup. Parce qu'ils avaient le meilleur scénario possible, ils avaient la Odin qui défendait la smoke. Mikey avec sa Odin il nous a vraiment arraché. Time out, là c'est point gagnant. De toute façon c'est premier 2 points d'écart et c'est fin de game. Après c'est une map défense. En vrai on est arrivé. Ouais, c'est Evan, non ? Ça a été Evan. Si. C'était le disque avait raison. Il avait dit map serré, c'est le cas. Par contre, la Odin. Bref, j'en parlerai. Odin nous a bien cassé la gueule. Vraiment une arme de. Là, ils prennent un time out. Oh là là. Est-ce qu'ils vont nous sortir une tactique venue des enfers ? C'est un petit peu le. Mais là, en plus. Quoi qu'il arrive, même s'il dit juste jouer comme d'hab, nous de notre côté on va être un peu en stress parce qu'on est en défense, ouais. On se dit qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour l'attaque, what the fuck. Il faudrait être solide en défense là les gars. Alors qu'en vrai ça se trouve ils vont juste faire un truc banal. Ouais. Il y a aussi un truc qui a remarqué, c'est Camille qu'il est plus dedans depuis genre une... Ouais. Bon, j'aurais jamais dire ça, enfin une pentasonde là. Non. Ça fait genre 5 coups. Il a fait genre en... C'est un 3 kills en 8 rounds, 9 rounds. Ça nous met bien. Alors... Comment ils vont jouer sur cette. Il faut être solide. Et dans ce mode-là, entre guillemets, d'overtime, on peut considérer qu'on n'a jamais d'ult. Du coup, c'est. Au niveau des compos, ça nous embête de ouf, nous, on est d'accord? Non. Ou ça va encore? Non, ça nous. On n'est pas trop ult dépendant, nous. Ils avaient un op en défense? Non. Ok, donc ça, c'est assez big. Kin, qui est prêt pour le dart. La flèche reconnaissante de Sova, de Skyheart, je dirais. Allez, Kin, prends-moi cette ligne. Prends un kill, par pitié, le pick-up. Oui. Allez, premier. Et deux. Et là, les mecs, normalement, en face, ça va. C'était baisé, frère, ils ont push. Ils savent pas qu'il y a. Non, mais dans le sens, t'as une hope, tu recules. Ok, c'est bien. Les deux. Okay. C'est bien pour nous. Allez. 4v5, Kin, plie-nous ce classique. Tu vois ce duel. Ah, il va voir Sévir. Non. Oui, oh oui, mais c'est bien. Oh là là. Sévir. Il y a 4 sur Magic. Il voit Sévir en premier en plus. Là, ouais. Magic, il a eu pas mal d'avance sur le jeu. Il faut checker son caleçon. Apparemment, il est marron. Du côté de Magic. Là. Attention, c'est pas fini encore. Hein. Il reste encore Camille. Quand il est dans le tube, mais il y a la fenêtre. Je sais pas si on a une visu dessus. Il y a une toile, je crois. On l'a vu. Nice. On les a vus. On a vu un, pas deux, mais c'est déjà big. Nice, ça prend un pont. Le drone était. Il a bien mis le life. What the fuck, Mikey, il a pris comment les HP là? Je sais pas. Peut-être un travers. Ok, il y a la toile en plus dans le kitchen. Ok. Non, il arrive à tomber Sévir en travers ici. Non, yes. Oui, ça va. On sait qu'il y a un mec kitchen, s'il te plaît. 4 contre 2. Ok. Ils ont pas trop le temps, hein, les gars. Ouais. Oh, je suis. Non. Okay, non, on le sait qu'il y a un mec kitchen, s'il te plaît. Non. Il en prend deux. Ils ont pas le temps. Ils ont le temps. Il est en train de planter aussi. Il est en train de planter. Il est en train de planter. L2v1. C'est pas grave. Attention à Roby quand même. Est-ce que tu changes d'arme à la WAP? Ouais, il change. Allez, ensemble. Il va à deux. Ensemble, c'est pas si incroyable en vrai, parce que s'il prend le premier, il peut prendre le deuxième. Mais... Ouais, mais regarde. Allez. Nice! Oui, voilà nice. Allez. Voilà mon gars, allez! Allez, frère! Oh, putain, le stress! Kamik, en vrai,
C'est un peu du troll de notre part. Parce que notre joke, en fait, il s'est fait repérer. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a oublié l'information et où elle a pas été donnée, tu vois. Oh là là. Non, c'est pas naïf, c'est, on a été un peu con. Un peu con sur eux. Bah après, il y a peut-être ce syndrome aussi du on le sait, donc il y a bien un des mecs qui regarde la kitchen. Ouais. Et ouais, en fait, tout le monde ne fait pas ce move-là. Et mais au du final, coup, il y a un problème, tu vois. Dans le... oui, oui. Et là, on a de la chance. Hein, faut parce qu'il y en ait un qui call, ça, je garde la kitchen. CFF. Ok, oh time out. Je vais m'évanouir en fait. La map de fou. Allez. Parce que la prochaine, on l'appelle, c'est Lotus. Et Lotus, exceptionnel à c'est regarder. C'est une map de zinzin aussi. C'est trop bien, genre. Et Lotus, en plus, on va voir. Je sens qu'on a une petite compo sympathique. Allez, fais le viewer, allez, 13, les infos, là. Allez, allez, il faut gagner les deux prochains. Pitié, pitié. Frère, je suis... Je vais tomber, en fait. Ouais, la même. Ok. Mais c'est vrai que Camille... Non, c'est Magic qui s'est fait, tu vois. Là, il y est pas moi, trop. Moi, je vous le dis, il fait une interview, Magic... Non, non, il faut arrêter avec ça. Si, 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 là, ah. Il est plus dedans, là. Chut. Ça, c'est vraiment le pire truc à dire. Bah, là, ouais. Faut qu'il se réveille. Et... genre en mode, il écoute le stream solar, il a ouais. Et en plus, il comprend. Genre, non, non, le mais... truc, c'est qu'il a, non, non, mais c'est... Il a fait le V2 c'est français. Tommy, Tommy il écoute et il fait, hey, Camille, s'il te plaît, ils sont en train de te descendre là. Tryhard un peu et puis. Ils sont en train de te descendre, le mec, il a 26 kilos. Le gars, il a arrêté de tryhard. Je n'en descends personne ici. C'est lui qui nous descend actuellement. Actuellement, ouais, c'est un peu. Doucement, doucement quand même, les gars. Allez. Pas trop jouer avec le karma. Allez, 13-13. Oh non, pas là, pas là, pas là. Allez, le bus les frères. Après ils ont la Odin de... Ouais mais c'est pas grave, ça passe quand même. Ok. Frère, c'est des personnes parlent des grandes, des grandes respirations. Ah, normal, là c'est le round pression là. Allez. Y'a King qui est tout seul en B. Oh le hangar. On change de stratégie déjà. Ouais. Ok, on a l'info. On les embête, on est l'info sur raise. On adapte. Le truc c'est qu'on joue très vite dans les rotas, c'est... Oh, comment ça on a défendu l'orb, genre... Ils ont déjà tous. Okay. C'est bien là parce qu'on a swap, hein. Mis une pression sur A et ils savent pas ce qui se passe. Ouais. Et là on repart B pour une fois. Et on le fait rarement en plus ce truc. Donc les mecs doivent être en mode. D'habitude ils baitent pas quand ils font des trucs sur A. Et on l'a jamais fait auparavant. Ah, ils sont pas en position là. Ils ont qui sur. Ils ont un mec solo. Ils ont Mikey. Mikey est son Odin. Yes. On essaie de. Mais sauf que c'est l'Odin. Mikey. Oh tu vois. Et bien. Le fait qu'on a bait sur A, les mecs sont. Ouais. Ah, ils sont postés. Hein, ah, là, ouais, sur, juste après, il y a l'Odin, le bro Mikey là. Ouais, le Mikey à la. Après, faut vite mettre. Ouais, mais en fait, on va mettre nos trucs. Après, on peut changer d'endroit de plante peut-être. Ouais, c'est ça. On va bait le wall et on plante un autre. Non, non. Ah, on est droit dans nos bottes. Hein. Ouais, mais ça va, l'Odin. Ça mange. C'est big. Non, c'est pas big. C'est viré tomber sur l'Odin. Il y a même 7 dans le dos. Ok. Non, Mikey, aucune race avec ça. Il est même 7. Ah oui, je vois. Après, ça va. Même 7 a réussi à. Allez, Kim. Il est dans le dos, mais il faut pas qu'il soit trop late. Hein. Il soit trop en retard. Même 7. Même 7, gros. 4 HP, Kim. Oui. Allez, même 7. Même 7, 7 qui en prend. Non. Non, non, non. C'est un petit même 7, on en prend encore un. Non. Un VZ. Un VZ. Nice. Oui. Pitié. Apo, t'es grand. Apo, t'es énorme. Let's go. Apo, il est grand. Putain, bordel. Le 1v2, il le fait. Allez, plus qu'un round pour aller chercher cette map numéro 7, 3. Ouais, même 7 important, c'est 2 kills aussi. Hein. Heureusement que même 7 il lurk là-dessus, hein, parce que... Ouais, ouais. Dommage qu'il a pas ce... Oh là, la map de fou. Oh la map de Camille qui se retourne comme ça, c'est bizarre. Ok, Apo, nice. Tu sais qu'il a... Apo quand même le shot qui... Il court en même temps, il met les deux balles sur le mec. Bon. T'inquiète, calculé. C'est tranquille, tranquille, tranquille. Ouais, tu sais, c'est vraiment les deux balles partent sur lui, tu vois, donc... Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Allez. Si on gagne ce round, on remporte cette map. Et ça ferait du bien. On a un big comeback. Ça pourrait être. Ça pourrait niquer totalement leur momentum. Ouais. Qatar qui prit le dieu de pasta pizza. Et ce serait bien de gagner un overtime une fois dans notre vie. Non. Non, je déteste là-haut. Il nous voit pas quand on est dans notre smoke. Non, ah, si. Non. Non, ouais, la smoke permet d'éviter. Yep. Tu peux te mettre dans des smokes et counter les reveals en gros. On va avoir un petit timing là, un petit timing du côté d'Idex, mon rêve. Allez. J'en pleure. Hein. Non, 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 ils ont pas vu. Ils ont pas encore vu, par contre, on sait. On entendait. Nice. Ah, c'est un petit sauf que là, ouais, c'est comme tout à l'heure, nous on a fait avec le bait. On a rien vu sur. Tu vois ? Non, on va se faire bait. Apo, il rotate. Ah, Apo, il va se clôturer quand même. Après, Kin a la ligne à l'opérateur. Hein. Kin, il voit le bas là. Hein. Allez. Allez. Nice, Kim, s'il te plaît. Reste là, reste 5 secondes de plus. Allez. Non, non. Dans l'autre. Tu l'as vu, ok. Il en a vu un. Tu vas voir le... Oui, il en a vu. Ça, ah, je suis pas sûr vu comment les mecs ont joué derrière, je pense qu'ils nous ont vu. Slow, il est dans la merde, là. Nice. Ok, ça met très bien. Arrête de changer de POV, frère.
Je pète un câble. Aïe aïe aïe, Roby sur un pot. Allez, allez, un. Oui, oui. Premier. Attends, c'est le spike qui est tombé. Il a pas. Ok, ah, ouais, oui. Kingle qui prend deuxième. C'est bien. Troisième. C'est bien qu'on prend troisième. Non, dommage, le 4 est pas passé. Il va essayer de placer. Allez. Ils ont 10 secondes. Ils ont pas le temps. Non, dommage. Ah, c'est un un des deux. Allez. Numéro 3 Let's fucking go. Go Lotus maintenant. Putain. Allez. C'est magnifique. Un allez. Peu de droit bonheur, bordel. Allez. Entre ces gènes perdus, ces overtime perdus, là enfin. Oh la game de fou. Oh la game de fou. C'est peut-être le déclic les amis. Eux ils doivent être au fond, nous on est bien là. Okay. On va le faire. Je vais mettre un GG close game. Mais tu es dans le chat de. Bien sûr, GG close game. Démarre-le un peu. Ouais, belle remontée, hein. Ah. Il y avait 12-9. Hein. Ouais, il y avait 12-9. Très belle remontée, c'est chaud. Et la map allez, toute verte là. On y va. Map numéro 3. Mais j'avoue que le Viper qui met la map partout. Le poisson, c'est chiant, frère. Incompréhensible, frère. Ouais, frère. Je comprends rien au jeu. Non, mais t'es là, tu regardes. On a tu réussi vois à clutch des rounds de fou quand même, faut le dire. Hein. Le round où il y a ulti Viper, ulti. Ouais, clairement. Comment elle s'appelle, Raze. Je n'en reviens pas, frère. La tête d'Apo, elle est tellement clutch. Je suis choqué. Il y avait 12-9. 12-8 même, peut-être. Ouais. Même 12-8, surtout qu'en vrai, on aurait perdu sur 4 HP. Parce qu'il y a un moment où 4 HP. Ouais, il y a un moment où il clutch avec 5 HP. Genre, les deux derniers. On aurait eu deux games de suite comme ça. Ce serait devenu zinzin, quoi. Allez, map numéro 3. La première game, on s'est juste fait laver. Non, mais c'était contre DVM. Non, contre. Contre Mandatory, on dirait à tort. Ah oui, l'overtime de fou là. Allez. Ça va, je me rappelle. Oh. Allez, troisième game, il faut la gagner. C'est la pression quand même. Hein. Valorant, c'est la pression en overtime, putain. Ah, surtout que tu comprends rien, frère. Oui, mais là, tu vois juste, tu regardes en haut à gauche. Oui, tu regardes les kills en mode, ouais, machin qui tombe lui, c'est tout.